Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéré Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important. Même si vous n'avez pas suivi cette formation sur l'investissement immobilier, c'est pas grave, ça servira à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui s'apprêtent à faire rénover un bien immobilier. Alors le concept, il n'est pas difficile. Aujourd'hui, on va expliquer comment trouver une bonne entreprise de rénovation immobilière et surtout vous couvrir et quelles sont les notions juridiques à avoir pour pas faire d'erreur. Ou du moins, s'il y en a une, que vous soyez couvert. Alors déjà, il faut faire un distinguo entre deux choses. Sur le marché de la rénovation, il y a ceux qui vont faire rénover des immeubles de 4, 5, 6 appartements, ceux qui vont faire rénover un appartement entier et ceux qui vont simplement faire rénover un sol, une cuisine ou une salle de bain. Donc déjà, toutes les entreprises ne se valent pas à ce niveau-là. On va trouver plus facilement des artisans de confiance ou compétents qui vont être capables de refaire des petites tâches ou juste des pièces. Ça devient un petit peu plus difficile de trouver des entreprises capables d'assurer tout corps d'état et surtout faire de la qualité, hein, c'est surtout ça. Parce que sur le papier, tout le monde, la plupart du temps, est quasiment tout corps d'état, sauf les personnes honnêtes. Et puis en fait, derrière, on se rend compte que c'est pas forcément leur champ de compétences principaux. Donc. Et quand on attaque des immeubles entiers, bien évidemment, ça limite encore plus les choix. Et c'est rare aujourd'hui, les bonnes entreprises sur le marché qui sont à des tarifs justes, qui sont capables de faire de la bonne qualité, de la bonne finition et aussi tenir les délais et d'avoir une solidité financière suffisante parce que on entend souvent les histoires d'entreprises qui ferment alors qu'ils ont empoché des devis, etc. Donc voilà. En gros, le plus difficile, c'est pour les gens qui font le plus de travaux. Faut vraiment, vraiment trouver quelqu'un de confiance. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment on peut faire. Pour la petite anecdote, sachez que même c'est des fois les coordonnées les plus mal chaussées, puisque vous savez, pour ceux qui ont suivi la formation, que moi je travaille en exclusivité avec Arcadeco pour l'ensemble des chantiers, et chez moi personnellement, donc du coup j'ai fait changer 3 portes intérieures. J'ai pas pris Arcadeco parce qu'on habite à 400 km l'un de l'autre, je voulais pas le faire venir pour 3 portes, évidemment ça aurait pas été rentable pour lui et ça m'aurait coûté cher à moi. Donc on a été chez Castorama, qui avait soi-disant des partenaires et vous savez des artisans sélectionnés par leurs soins qui sont capables d'assurer la main d'œuvre. Ça a été catastrophique et on est en litige depuis plus de 2 mois et c'est seulement maintenant qu'ils viennent de renvoyer quelqu'un pour faire le nécessaire. Donc déjà tout ce qui est artisan des boîtes, le Roi Merlin, Castorama et tout ça, il peut y avoir des gens bons, il peut y avoir des gens beaucoup moins bons, ça veut rien dire. Le plus important, c'est de faire les choses bien pour que vous soyez couvert juridiquement. Et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Alors, quand vous allez faire votre recherche, vous avez peut-être dans votre cas, si vous êtes vraiment dans ce cadre d'investissement immobilier, besoin de faire rénover un ou deux appartements, ça va être en général à peu près la moyenne. Et dans ces appartements, certains vont changer la cuisine, le sol, et puis d'autres vont carrément tout refaire. L'électricité, la plomberie, le chauffage et pas mal de choses. Donc déjà, si vous avez un appartement entier à refaire, la base, c'est de chercher une entreprise tout corps d'état et pas un artisan individuel. Parce qu'un artisan individuel, globalement, sur un appartement entier, ça va vraiment lui prendre du temps. Et vous, les mois où vous n'allez pas louer, c'est les mois où vous perdez de l'argent. Donc il y a un vrai calcul à faire à ce niveau-là, et vous allez voir qu'on va mettre en application ce que je vais vous conseiller, c'est-à-dire derrière il faudra faire signer un contrat de travaux avec évidemment un délai maximum de réalisation sous peine d'indemnité de retard. Alors ça c'est bien parce que ça vous couvre, sauf que l'artisan, si vraiment il est sous l'eau, qu'il en peut plus et tout ça, à un moment il va dire ah mais c'est bon j'ai tellement d'indemnité de retard que je préfère encore arrêter et puis me mettre en liquidation. On sait pas parce qu'on a un contrat qu'on est toujours bien protégé, donc prenez une entreprise qui a les reins solides, qui a une équipe de 2, 3, 4 personnes au moins, et puis qui est capable d'enquiller absolument tout un appartement dans un délai raisonnable. Ça c'est la première des choses. Donc quand vous tapez sur internet, vous allez taper entreprise tout corps d'état, entreprise de rénovation immobilière, plus le nom de votre ville ou du coin. Le mieux c'est d'appeler, c'est d'expliquer votre projet mais en détail et dire voilà, moi j'ai un délai d'environ, je sais pas, 3-4 mois, c'est déjà pas mal hein, pour un appartement, ça peut être plus court. 3-4 mois pour faire rénover un appartement, j'ai électricité à refaire, plomberie à refaire, peut-être de l'isolation et tout ça. Est-ce que oui ou non vous êtes capable de le faire à 100% et sans forcément déléguer à des sous-traitants et tout ça. Parce que c'est souvent qu'il y a des entreprises qui prennent les chantiers et puis qui délèguent à des sous-traitants. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de qui travaille chez vous. Et puis quand il y a des litiges, souvent ces gens les disent oui. Mais bon, voilà, c'est... Enfin, vous voyez, après, c'est compliqué. On part dans un truc juridique. Donc, prenez une entreprise qui fait elle-même et faites le tri autour de chez vous de savoir qui peut faire. Je fais un point et une parenthèse importante sur les entreprises de type... Vous savez, courtier en travaux, illico travaux, la maison des travaux et tout ça. Alors je crois que ce sont des franchisés, des indépendants, donc je vais absolument pas faire une généralité parce qu'il y a peut-être des gens super compétents dans ce domaine, c'est même probablement la majorité, mais il y a aussi la maison des travaux, moi j'ai déjà affaire à eux une fois, je suis tombé sur un interlocuteur qui m'a plus parlé de ces 15% de commission sur le projet que de vraiment me parler de la qualité de ses artisans ou me parler des délais ou tout ça. En fait, souvent, ces personnes qui sont courtiers, ils vont faire un cahier des charges, ils vont envoyer à leur partenaire ce cahier des charges, puis c'est celui qui positionne ses prix souvent les moins chers ou le seul qui positionne ses prix parfois qui prend le chantier. Sauf qu'encore une fois, vous les connaissez pas non plus, ça garantit pas forcément une qualité absolue. Et en plus, souvent ça coûte très cher. Moi j'ai déjà eu un cas exceptionnel, alors je sais plus le nom de la ville, c'était une petite ville, où on a eu de la part de Illico Travaux un devis à 92 000 et derrière avec une entreprise de rénovation tout corps d'état, ce devis est tombé à 45, simple au double.
incroyable. Donc je dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas, souvent, ils sont très très chers. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, quand vous allez trouver votre entreprise, donc l'artisan va venir, le responsable en tout cas de l'entreprise, il va venir et puis il va faire votre devis. On reconnaît le sérieux d'une entreprise déjà à son devis. Je sais que pour beaucoup de gens du bâtiment, ce sont des gens qui adorent le terrain, qui sont très techniques et très compétents dans leur domaine et qui détestent l'administratif et l'informatique. C'est souvent comme ça que ça marche. Mais c'est pas une raison pour faire des devis clairement pourris qui ne serviront à rien en cas de problème ou en cas de litige ou en cas de mauvaise finition. J'ai déjà reçu des devis avec un pauvre truc Word où il y a écrit en haut, voilà, entreprise nanana, le sirène, pas d'adresse, rien, et puis vous envoie une simple ligne avec marqué rénovation intégrale appartement, plomberie, électricité, sol, cuisine. Voilà, juste ça et le prix global, genre pas de détails ni rien. Ça, déjà, si quelqu'un vous envoie ça, passez votre chemin, genre lui répondez même pas, vous lui dites écoutez, c'est la base du métier. C'est genre scandaleux pour une entreprise de rénovation de pas savoir faire de devis. On va prendre très rapidement les mentions obligatoires normalement sur un devis. Attention, hein, y a quasiment aucune entreprise qui les respecte toutes, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui sont importantes à respecter et d'autres un petit peu moins. On peut s'en passer à partir du moment où le devis est bien structuré, bien détaillé. Donc normalement déjà, vous avez la date de réalisation du devis et la durée de validité du devis. C'est sûr que si vous l'acceptez dans 3 ans, les prix des matériaux auront changé, l'artisan va avoir le même prix. Donc normalement, vous avez une date, une durée de validité. Ensuite, vous avez le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise. De préférence, téléphone, contact ou adresse mail s'il faut. Ensuite, vous avez le statut et la forme de l'entreprise. Ça peut être soit EI pour entreprise individuelle, donc ça, c'est que c'est un artisan tout seul. Si jamais vous avez SARL ou SAS, c'est que c'est une boîte à l'IS, hein, une structure en fait de société classique où il peut y avoir un patron ou plusieurs actionnaires et puis généralement des salariés. Ensuite, du coup, vous avez le numéro d'identification à la TVA, le SIRN. Vous avez ensuite sur le devis votre nom, l'adresse. Au moins, s'il n'y a pas votre adresse à vous, il faut au moins qu'il y ait l'adresse du chantier, bien évidemment. La date de début du chantier estimée ou la date précise s'il y a déjà une date précise. Après, quand c'est un devis comme ça, la personne ne sait pas forcément quand vous allez commencer les travaux, hein. Faut pas accabler les gens s'il n'y a pas la date, mais voilà. Faudra en tout cas pour le devis que vous allez signer qu'il y a la date. La durée estimée des travaux. Alors, estimée, on peut dire que des fois on peut mettre approximativement 2 mois. Par contre, sur le devis que vous signez au final, il faut qu'il y ait clairement la durée précise des travaux. Genre, c'est 2 mois, c'est 32 jours, c'est 33 jours. Enfin, clairement, c'est un chiffre précis, c'est pas approximatif. Ensuite, il va y avoir donc le décompte détaillé de chaque prestation en quantité et en prix unitaire. Donc, par exemple, si jamais vous refaites un sol, c'est pas sol rénovation 1 800 euros, non, c'est sol, parquet par exemple, pose de parquet, achat et pose de parquet, 42 mètres carrés, 866 €, pose de seuil de porte, 136 €, pose de plinthe, 100, voilà. En fait, il faut que chaque prestation soit détaillée, parce que si vous revenez à la fin, l'artisan il a juste changé le sol et puis qu'il n'y a pas de plainte, qu'il n'y a pas de seuil, qu'il n'y a rien, il va vous dire, mais attendez, excusez-moi monsieur, madame, ça c'était pas indiqué dans le devis, donc moi je n'étais pas censé le faire. Il aura raison, c'est ça le pire. Donc, on détaille chaque prestation. Ensuite, il peut y avoir s'il y a des frais donc de déplacement ou des choses à payer en supplément, comme des fois ça peut être le débarrassage ou le début du chantier ou la location d'un échafaudage et tout ça, ça il faut le mettre. S'il le met pas, évidemment il peut pas vous le réclamer a posteriori pour cette partie là. Ensuite, les modalités de paiement, la livraison, donc si vous payez X% d'acompte au lancement du projet, 30% à la fin, la levée des réserves, etc. Et puis ensuite, évidemment, la somme totale en hors-taxe et la somme totale en TTC, en appliquant bien sûr et en détaillant les taux de TVA applicables, puisque dans la rénovation immobilière, si le bien a plus de 2 ans, on est sur du coup 10% de TVA au lieu de 20 si le bien est neuf ou à moins de 2 ans. Et puis sur certaines rénovations énergétiques, on est sur de la TVA à 5,5. Voilà, donc déjà c'est important parce que ça peut faire une grosse différence pour vous. Je précise qu'on mettra en pièce jointe de cette vidéo un lien vers un Google Drive où vous pourrez récupérer pareil l'attestation de TVA simplifiée. Ça, c'est souvent que les entreprises vous font une facture de TVA simplifiée, ils vous envoient pas l'attestation de TVA. Alors en principe, c'est eux qui sont responsables et en cas de contrôle, s'ils n'ont pas l'attestation, normalement c'est eux qui doivent payer la différence. Mais bon, pour que tout le monde soit serein et puis que les choses soient carrées, vous la téléchargez, vous la remplissez et vous la signez au devis que vous allez donc valider. Ensuite, est-ce que le devis est payant ou gratuit? Ça doit absolument apparaître dessus. Alors, si le devis est payant, normalement ce qui se passe, c'est que soit vous avez signé avant un bon pour accord de devis payant, et si il peut des fois vous, enfin l'artisan peut venir vous faire un devis, on va dire gratuitement, sans que vous le payez. Par contre, si vous acceptez le devis, là vous payez le devis. Si c'est le cas, c'est possible, mais il faut que ça apparaisse également dedans. Et dernier point qui a été rajouté récemment pour la partie écologique, normalement ils sont censés indiquer la manière dont ils vont gérer les déchets. Par exemple, déchets généraux emmenés à telle déchetterie avec la localisation. Ils sont censés aussi estimer la quantité totale de déchets, la manière dont ils le gèrent et dont ils l'enlèvent, là où ils l'emmènent, ça je l'ai déjà dit, et puis l'estimation des coûts associés liés au traitement des déchets. Bon, voilà, ce dernier point c'est assez récent, mais il y en a beaucoup qui le font pas. À la limite, je veux dire, si vous avez une entreprise qui le met pas, vous pouvez leur rappeler, mais si le
tous les indicateurs sont ouverts, bah c'est pas une raison pour refuser, bien sûr. Voilà, donc ça c'est les premières choses sur le devis. En fait, il faut vous dire une chose, c'est qu'un devis, quand au début tout est beau, tout est rose. Vous avez un artisan souvent super motivé, qui voit plein de choses, vous expliquez aussi plein de choses oralement, hein. Des fois vous vous dites comme ça, bah oui là faudra faire ça, je rajouterai peut-être machin, je sais pas, un cadre de porte ou une fenêtre, non, tout doit apparaître sur le devis. Le devis c'est la base de tout. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'il faut partir du principe que tout ce que l'artisan va faire, va être mauvais, et si c'est mauvais et que vous voulez vous retourner contre lui, il faut que tout ce qu'il a fait soit détaillé. Je le disais tout à l'heure avec l'exemple du sol, les plinthes, les barres de seuil, la fixation, etc. Mais c'est pareil pour la cuisine, c'est pas pose d'une cuisine, c'est pose d'une cuisine par exemple de tel, admettons de tel type, avec meuble haut, meuble bas, évier, mitigeur, ça peut être lave-vaisselle par exemple si on a un qui est compris avec, plaque de cuisson vitro-céramique ou induction, hotte aspirante à charbon ou hotte aspirante avec évacuation externe, tout doit être détaillé au plus précis. Dites-vous toujours que si un litige, si c'est pas détaillé, c'est vous qui êtes en tort. C'est aussi simple que ça. Alors moi je vous conseille pour un chantier, par exemple si vous rénovez un appartement, de faire venir, surtout si c'est votre début et que vous n'avez pas de contact, vous ne connaissez personne, personne dans votre entourage, dans la zone géographique à faire rénover, etc. Je vous conseille de faire venir, dans l'idéal, au moins 3 entreprises. Ça vous permettra de comparer parce qu'il y a certaines personnes pour qui les prix peuvent varier du simple au double. Et donc bah ceux qui sont deux fois plus chers, vous pouvez les questionner de pourquoi ils sont plus chers. Des fois ça veut pas dire qu'ils sont des arnaqueurs ou qu'ils sont hors de prix. C'est peut-être juste qu'ils ont pensé à des choses en plus que l'autre n'a pas fait. Mais si vous avez des devis détaillés, normalement vous êtes capable au moindre coup d'œil de savoir qui est plus cher et pourquoi. Est-ce que c'est plus de marge ou est-ce que c'est plus de prestations? L'idéal absolu, c'est que vous fassiez vous, sur votre appartement de ce que vous souhaitez, un cahier des charges. Alors je sais que quand on est un particulier, c'est pas évident, c'est super chiant à faire, vous n'êtes pas obligé de faire un truc ultra technique, mais vous pouvez dire voilà, par exemple, vous faites un document Excel avec les pièces, par exemple WC, je veux que dans mon WC, vous refassiez le placo, la peinture, que vous mettiez un plafonnier, que vous changiez le WC pour un WC au sol, un WC suspendu, je veux du carrelage par exemple sur l'arrière du WC ou je veux du placo partout. En fait, vous donnez le maximum de points et comme ça, les entreprises qui seront venues sur place et à qui vous aurez donné le cahier des charges, elles auront une base commune. Donc ça vous permettra d'avoir un comparatif qui est très précis et donc de pouvoir sélectionner aussi l'entreprise la moins chère. Deuxièmement, je vous conseille dans le cahier des charges évidemment d'indiquer votre délai idéal de rénovation. Alors il faut mettre un truc crédible, genre un appartement, ça dépend des cas. S'il y a une chape, c'est difficilement moins de 2 mois parce que y a souvent des semaines de séchage de la chape, donc après ensuite le temps de faire les travaux et tout ça. S'il n'y en a pas et que vous avez une entreprise qui est efficace, ça peut être à peu près un mois et demi. Si la boîte est petite, ça peut être des fois plus, mais si elle est plus petite, normalement elle est aussi un peu moins chère, vous voyez. Donc d'un côté, si c'est un mois et demi plus long mais que vous payez, je sais pas, 8000 euros de moins, ça vaut le coup. Bon, tout est une question de calcul. Petite pause, en tournant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner le plus important, c'est-à-dire de vérifier évidemment l'assurance de responsabilité civile professionnelle de la boîte et également de vérifier l'assurance décennale. Alors l'assurance décennale, c'est pas compliqué, c'est une attestation qui permet donc de couvrir la boîte sur certains type de travaux, par exemple plâtrerie, plomberie, électricité, pendant une durée de 10 ans. Donc ça veut dire que si après, dans les 5-6 ans qui suivent l'intervention de l'entreprise, il y a des problèmes sur ce qui a été posé, alors c'est l'entreprise décennale qui prendra à sa charge et qui du coup va peut-être vous rembourser ou envoyer à leurs frais un artisan pour compenser le problème et vous remplacer les dégâts éventuels. Voilà, donc très très important. Donc vous demandez l'assurance de responsabilité civile, ça permet de voir déjà si l'entreprise est bien assurée, que c'est bien une entreprise formelle, et puis qu'en cas de litige juridique avec elle, comme elle est assurée, ça veut dire que c'est son assurance qui va payer les droits de l'avocat, qui va payer donc le tribunal et tout ça, ça veut dire que vous avez plus de chances d'avoir une procédure qui se déroule bien. La décennale, pareil, vous demandez l'attestation et vous vérifiez bien que les postes qui sont indiqués dedans, c'est les postes que l'entreprise vous a proposé de faire. Si par exemple l'entreprise a une assurance décennale que pour électricité, plomberie et qu'ils veulent faire du placo, du sol, de la chape et tout ça, alors c'est possible, mais vous leur dites vous n'êtes pas assuré en termes de décennale pour ça. Dans quel cas vous allez certainement probablement sous-traiter, et si vous sous-traitez, dans ce cas, je veux enfin savoir qui est le sous-traitant, recevoir le CIREN, recevoir son assurance de responsabilité civile et recevoir sa décennale à lui. S'ils refusent de vous les fournir ou quoi que ce soit, alors vous savez que peut-être ils embauchent des personnes qui sont pas assurées, et en cas de litige juridique, c'est vous qui allez être embêté. Très très important, pensez bien à ces deux choses. Ensuite, quand vous aurez sélectionné votre entreprise et que vous saurez donc la date prévisionnelle de début, le montant payé, chaque prestation qui sera faite, moi je vous conseille de signer en plus un contrat de travaux qui va renforcer le devis. Des fois, des artisans qui ont l'air bien, vous allez les appeler, leur dire ouais, mais il manque telle mention sur le devis, ah oui, oui, machin, puis ils vont pas forcément le rajouter. Que des fois, c'est leur logiciel est mal paramétré, puis je sais pas, ils le feront pas. Donc, moi je vous conseille de faire un contrat de travaux en plus. Je vais pareil vous en mettre un qui est vierge dans le Google Drive en description. Attention, c'est un contrat qui est très générique, c'est pour vous donner des idées et ensuite vous pouvez vous en inspirer.
pour faire le vôtre. L'idée, c'est de protéger les deux parties. Donc encore une fois, on rappelle la date de début, la date de fin. On rappelle que tout ce qui est chiffré dedans sera fait, tout ce qui n'est pas, ne le sera pas. Que si jamais il y a des travaux supplémentaires, vous devrez obligatoirement être averti par un avenant écrit qui devrait être signé des deux parties. Parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est un grand classique des artisans parfois de dire « Ah oui, oui, ben là, en fait, je vous appelle, là, il se passe un truc, il faut que je change X mètres linéaires de tuyaux parce qu'en fait, on les avait pas vus. Ah, ok, bon, ça peut arriver de pas les voir au devis, on peut pas toujours tout avoir dans la rénovation, hein, ça, c'est pas grave. Par contre, combien ça me coûte ? Ah, c'est à peu près 500 euros. Bah non, en fait, c'est combien ça me coûte précisément. Vous m'envoyez un papier écrit par mail avec une trace d'un avenant, je le signe. Je le signe pas, d'accord ? Si je le signe pas, bah du coup, peut-être qu'il pourra pas installer votre cuisine parce que si les tuyaux sont pourris, il va y avoir des fuites. Mais du coup, voilà, ça c'est après de votre ressort. Donc c'est à débattre. En tout cas, n'acceptez jamais rien oralement, laissez toujours des traces écrites de tout ce qui est fait. Et surtout de tous les travaux supplémentaires que vous allez faire. Pareil, à la levée des réserves, si vous vous rendez compte qu'il y a certains postes qui ne sont pas faits, eh bien, du coup, vous avez aussi le droit de déduire ça du montant prévisionnel. D'où, encore une fois, l'intérêt d'avoir un devis détaillé. L'artisan vous avait dit qu'en fait, il vous ferait, admettons, dans la chambre, un mur avec du parement en bois, un truc un peu joli et tout ça. C'est pas fait. Ah, bah, je prends la ligne. Vous m'aviez facturé 400 euros hors taxe pour ça. C'est déduit de la fin. Ou alors, si vous c'est pas déduit, bah vous le faites immédiatement. Vous voyez ? Donc voilà, donc contrat de travaux que je vous conseille de faire. Et puis surtout, dans le contrat de travaux, et même dans son devis, si normalement c'est assez bien fait aussi, vous êtes censé avoir les échéances de paiement. Donc peut-être par exemple 30 ou 40% au lancement du chantier, ensuite 30 ou 40% à X% d'avancée du chantier, et puis ensuite encore un paiement. Normalement, il est coutume, et je vous conseille de le faire bien évidemment, de mettre, on garde entre 5 et 10% de la fin de chantier, enfin de la somme totale restante à payer du chantier, pour la levée des réserves. Parce que pareil, quand le chantier est terminé, vous êtes censé aller sur place, vous êtes censé faire le tour d'absolument tous les points qui sont dedans et vérifier que tout est conforme. Conforme, ça veut dire par exemple que votre sol est bien posé, ça veut dire que vous n'avez pas une cuisine par exemple où quand vous aurez un placard, il y a une porte qui tombe, que les poignées sont pas mises de travers, que les WC sont fonctionnels, etc. Bien évidemment, vous vérifiez tout. Si jamais il se passe des choses qui sont mal terminées, mal posées ou mal finies, vous devez faire une levée des réserves, donc c'est un procès-verbal, ça c'est un document officiel, où vous dites, bah voilà, par rapport au devis initial numéro temps, nous avons constaté qu'il y a telle malfaçon ou telle chose qui n'a pas été fait. Par conséquent, nous vous demandons de les corriger sous X jours. Et ça, vous le signez vous de votre côté, et l'artisan est censé le signer également. Si l'artisan ne le signe pas, là vous allez rentrer dans un litige, puisque du coup, normalement, il faut qu'il y ait justement ce procès verbal qui soit signé des deux parties pour que le chantier s'arrête et soit reconnu comme officiellement terminé. Et donc, que aussi l'artisan touche ses 5 ou 10% de réserve, que vous ne lui paierez pas s'il refuse de signer le papier. Alors après, souvent ça se passe bien dans ces moments-là, dans la majorité des cas, vous allez dire, ah bah oui, il y a telle finition, telle chose que vous n'avez pas bien fini. Bon, si c'est factuel, on avait un devis de base, là on est devant, vous faites des photos, c'est factuel, personne peut vraiment le nier. D'où l'intérêt, encore une fois, même si je l'ai déjà dit 100 fois dans cette vidéo, d'avoir un devis extrêmement détaillé, ligne par ligne, élément par élément. Et donc voilà, une fois que l'artisan après a corrigé les malfaçons au bout de X jours que vous lui aurez donné, et bien du coup, là, vous pourrez signer officiellement la levée des réserves, c'est-à-dire la fin du chantier, et là, tout sera terminé. Vous ne pourrez plus avoir de recours contre lui, sauf bien évidemment pour la notion de la garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire que si au bout de 3 jours, vous ouvrez l'évier, il y a une énorme fuite parce que c'était mal fixé, et bien là, bien évidemment, vous prévenez l'entreprise, toujours pareil, avec des traces écrites, ou alors vous l'appelez et ensuite vous faites un mail pour garder une trace écrite avec des photos à l'appui. Encore une fois, toujours dans cette hypothèse où tout se passe mal, donc on anticipe tout. Du coup, la personne est censée intervenir au plus vite pour corriger l'erreur, puisque là, ce sera une erreur donc de construction, de fabrication, de pose, etc. Si jamais il y a des matériaux qui ne sont pas conformes, par exemple, vous avez fait changer les Velux, et puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vos Velux commencent à fuir et puis le placo commence à s'imbiber. Il faut prévenir l'entreprise, encore une fois par écrit, etc. Et là, ce sont ces assurances décennales qui vont prendre la relève, puisque normalement, les décennales c'est 10 ans pour chaque poste de composant. D'où le fait que, en début de vidéo, je vous ai dit de faire bien attention à vérifier les assurances 1 de responsabilité civile d'entreprise, 2 les assurances décennales et les postes du coup sur lesquels elle est assurée. Parce qu'elle peut avoir une décennale par exemple pour la plomberie, mais si elle vous change des Velux, elle n'a pas de décennale pour les Velux. Voilà, typiquement. Je pense que dans cette vidéo, globalement, on n'aura pas loin d'avoir fait le tour des choses principales à savoir sur comment sélectionner une entreprise et les choses sur lesquelles il faut faire très attention. Alors bien évidemment, il y a peut-être des choses qu'on a omis ou oubliées. Après, on n'est pas non plus une chaîne juridique ou quoi que ce soit sur la partie des travaux, mais si vous faites tout ça, en vrai, déjà, de base, vous serez couvert. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de soucis, parce qu'il est possible que vous ayez un litige avec un artisan qui dit « Ah non, mais moi, en fait, je peux pas faire le chantier que j'avais honoré, je pourrais pas tenir les délais. » Vous lui dites « D'accord, il y a des indemnités de retard comme c'est indiqué dans le contrat de travaux. » Il va dire « Non, mais je les paierai pas et j'arrête le chantier. » Là, dans ce cas, vous rentrez dans un litige juridique. Il faut immédiatement prendre un avocat qui va vous accompagner dans les démarches. Ça peut être très long, ça peut être très chiant, ça peut prendre des années pour que vous ayez gain de cause et retrouver votre argent, et c'est une vraie source d'angoisse.
Donc encore une fois, d'où l'intérêt de bien choisir l'entreprise de base en essayant de prendre des gens qui ont des avis, prendre des gens qui sont vraiment compétents, prendre des gens qui ont une équipe interne, prendre des gens qui ont une solidité financière. N'hésitez pas à poser des questions à l'entreprise, essayez de creuser un peu le sujet pour savoir s'ils ont beaucoup de chantiers, s'ils sont pas dans une situation de dette, enfin j'en sais rien, c'est pas toujours évident à déceler, hein. Personne n'est à l'abri de tomber sur des entreprises véreuses ou des entreprises qui font faillite parce qu'ils gèrent mal leur croissance ou quoi que ce soit. Essayez au mieux, en tout cas vous aurez tout fait pour vous couvrir et au final vous aurez certainement raison, mais c'est juste que c'est très pénible pour les gens à qui ça arrive. Je vous remercie pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette chaîne encore plus si jamais vous la découvrez aujourd'hui, ça permet de donner de la visibilité aux vidéos et puis encourager l'initiative de donner du conseil et des vidéos gratuites sur internet. Merci à tous ceux qui le feront et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette formation.